Bonjour à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui dans Nous Cause Ensemble. Missa propose à Zot le témoignage d'un sapeur-pompier volontaire. Et puis Zot va voir que les langues commencent à se délier et on commence à apprendre pas mal de choses. Et nous ça cause un petit peu avec ces sapeurs-pompiers SPV du tampon que Nena des choses à Diano. Et c'est parti dans Nous Cause Ensemble. Bonjour Bernard, nous sommes ensemble. Ok. Alors, explique-nous un petit peu ce qui se passe là sur le tampon. Sur le tampon et plus particulièrement sur la plaine des Caves. Ouais. Moi et mon collègue Frédéric Gourdin, on a ouvert un syndicat pour défendre la cause des volontaires sur l'ensemble du territoire de la Réunion. Super. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne trouve pas normal. En métropole, ça se passe aussi. Et eux, ils ont des droits là-bas et nous, pas ici à La Réunion, on n'en a pas. D'accord. Est-ce que vous pourrez avancer peut-être un petit exemple pour nous, pour que les personnes y regardent à nous, ils comprennent bien c'est quoi la problématique, les internes, comment il se passe? La problématique ici à La Réunion, c'est que beaucoup de choses se passent internes. Ah. D'accord. Et au lieu de faire avancer, au lieu de promouvoir, au lieu de mettre en avant le volontaire, au contraire, ils pouvaient écraser. À l'heure actuelle, ils nous écrasent à nous parce qu'ils doivent faire notre gueule et être piqués. Là, on prend le cas du corona, piqués et sans rien dire. Et moi, malgré contre le vaccin. Sinon, ouvre le syndicat aussi, c'est pas un peu pour ça. Ok, d'accord. C'est de dénoncer un peu le forcing que Banaï fait des Yanou. On n'est pas là, on n'est pas des animaux, on n'est pas de bétail dans les parcs pour pouvoir vacciner ou mettre un tatouage ou un truc comme ça. On n'est pas ça, nous, c'est des êtres humains, nous travaillons pour la société, pour les citoyens. Nous mettons notre vie en avant, d'accord. Nous mettons notre façon de penser en avant pour les gens, pour les citoyens, mais non pas pour être bafoué comme d'autres avec nous. Tout à fait, ben, il rappelle quand même que les volontaires, c'est quand même, on va dire, au niveau de l'effectif, un soutien fort auprès des professionnels. C'est un soutien majeur pour les professionnels. On est en surnombre ici à La Réunion et le problème c'est que le pompier volontaire, moi midi il me répète, le pompier volontaire est utilisé. Il est utilisé parce que nous veut bien aussi, mais quand parce que nous veut bien, il ne faut pas prendre un coup de couillon non plus quoi. D'accord. Exactement. Le volontaire est là, comme il dit, nous risque notre vie autant qu'un professionnel. Nous reçoit des insultes, des crachats et tout ce qui en suit avec à côté. Mais il n'empêche pas de nous faire notre travail. Il nous donne notre temps, notre passion, notre amour dans notre travail. Avec le cœur même, voilà. C'est avec le cœur. Et comme il dit, nous est volontaire. Ouais, nous est volontaire, parce que ce mot-là, il veut dire beaucoup de choses. Et c'est un mot fort. Volontaire veut dire qu'on veut partir au devant du problème. Très bien. Nous expose notre vie, mais il faut notre direction en haut, il suit à nous. La direction, je pense, vous parlez du 10-974, c'est ça? 10-974. Ok. Bah, écoute, je te remercie, Yahoo, et bien d'avoir dit à nous un petit peu toutes ces problématiques-là. Il n'y a pas de quoi. Et nous souhaitons à Zot bon courage et bonne continuation sur les interventions. Parce que... Pour l'instant, il n'y a pas d'intervention. On est mis à pied pour l'instant. Non, par rapport à cette situation vaccinale? Par rapport au schéma vaccinal que nous refusons de faire. C'est pas possible. Bah, comment il fait pour donner manger la famille et tout ça? On appelle avec ça, Zot. C'est dégueulasse. Bah, bon courage en tous les cas. Il n'y a pas de quoi. Il est là quand même. Comme il dit, moi, volontaire pour faire mon travail. Il donne ma vie dans mon travail, mais pas pour être assassiné et mettre à mise à pied comme ça, comme tu veux là. Il ne veut pas être à genoux, moi. Il veut marcher sur mes deux pieds et à la tête haute. Témoignage choc quand même, mon ami. Hein. J'ai des frissons au coq. Hein. Ouais, moi aussi, pareil. Ok. Allez, nous retrouve. Merci. Ça marche. Voilà, pour moi, c'était un témoignage choc de nos amis sapeurs-pompiers volontaires qui sont engagés pour la population, auprès de la population. Et avec ce chantage, ça l'a bien entendu, que lui travaille plus, que lui fait plus partie de l'effectif. En fait, moi-même, m'y perd un peu les mots parce que réunionnais, rouge, zioté, créole, franchement, m'y pense que ces histoires de passe sanitaire là, pas de passe sanitaire, pas de CMU, pas de passe sanitaire, pas d'aide au logement, pas de passe sanitaire, pas d'RSA. Mais pense que si ce pourcentage de personnes était touché là, et ben le feu était fini de prendre sur la Réunion. Voilà au stade où nous en est, que les pauvres boucs sont en train d'essayer de travailler pour être en sorte à Zot. Aujourd'hui, avec cette connerie de passe vaccinal, schéma vaccinal, tout ce que vous voulez, est en train de perdre leur équilibre financier, équilibre de vie tout simplement. Et ça, avec nos sapeurs-pompiers. Attends, je suis pas mon monde préféré, excusez-moi, c'est la première fois que Milès a m'aller comme ça sur une de mes vidéos. Mais c'est un préfet pourri que nous n'ayons. Et dans Nous Cause Ensemble, nous dit ça que nous n'ayons pas dire. La vérité, ça même nous de vérité. Et les personnes qui ont été citées et que vous n'êtes pas contents. Nous attendons à Zot dans cette émission-là, où la rue il cause, où le peuple il cause. Il dit, il fait pas de la diffamation ou il accuse pas n'importe comment là. Mais ces personnes là qui portent la cravate là, notamment nos élus et tout ce qui s'ensuit là. Viens Zot. On a besoin de cause avec Zot sérieusement. Franchement, moi, il est dégoûté de certains réunionnais. Allez, nous retrouve, bye.